salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnamod 7. Écoutez, ça a pas mal avancé depuis le dernier épisode. De toute façon, globalement, en ce moment, ça avance bien, hein. Même si je joue pas tant que ça en vrai, enfin pas tant que ça. Je dois jouer peut-être aller 20-30 heures par semaine à la rigueur, je pense, entre le live et puis les moments un petit peu à côté. Oh, peut-être un peu moins quand même, non, ça fait un peu beaucoup 20-30 heures. Mais en tout cas, ça avance bien parce que forcément, bah, au début, il y a tellement de choses à faire un petit peu à gauche à droite pour tout simplement avancer que bah, voilà, ça bouge. Là, pour vous dire, bon, bah, j'ai un petit peu plus avancé sur un petit peu Immersive Engineering, j'ai fait du PneumaticCraft, etc. Ça, je sais pas si on le verra encore aujourd'hui, PneumaticCraft, ça va dépendre un petit peu de l'avancée de l'épisode. Aujourd'hui, on va notamment se concentrer sur les poulettes, sur les poulettos. Et oui, là-bas, j'ai enfin mes premiers poulets. J'ai enfin, du coup, alors pour l'instant, j'ai 3 poulets. On va faire le 4e là juste après. J'ai un poulet d'acier, tout simplement de style, parce que bah, c'est l'un des premiers que je pouvais faire. Et tout simplement, en fait, parce que le style, c'est chiant à faire. Jusque-là, le style, pour rappel, c'était avec de l'ironwood. Tout simplement dans le Blast Furnace, sauf que l'Ironwood il fallait des live routes, etc. Alors en vrai, maintenant que j'ai mon outil Fortune 9, etc., faut savoir qu'en fait, les live routes, tu peux les fortunes. Sachant qu'en gros, parce que je faisais, j'allais dans la Twilight, je trouvais des routes, je mettais un clic droit, enfin je prenais des émeraudes, je faisais des clics droits dessus, ça les transforme en live route, je mettais un coup de fortune et j'avais quelques stacks et derrière ça me faisait quelques stacks d'Ironwood et donc de style. Mais c'est vrai que avec Immersive Engineering, dès que tu veux commencer à faire 2-3 petites machines, par exemple là-bas j'ai des petits multiblocs et tout qui commencent à être installés, forcément ça consomme pas mal d'acier. Puis je me dis, il y aura peut-être besoin d'acier aussi pour d'autres modes ou autres par la suite. Donc voilà, donc c'est le premier poulet que j'ai fait. Le deuxième, c'est tout simplement le poulet de compressé d'iron, parce que bon, en fait, PneumaticCraft quoi, voilà. PneumaticCraft, j'en avais quand même besoin un petit peu aussi pour certains trucs, il fallait quelques machines et tout, donc je me suis dit, bon vas-y, tant qu'à faire, plutôt que exploser de l'iron. De la TNT, parce que c'est comme ça qu'on l'a de base, hein. Le compressé d'iron, c'est tout simplement en fait on fait exploser de l'iron avec une TNT et on récupère du compressé d'iron. Le problème c'est que là-dedans à chaque fois tu as 20% de perte à peu près. Donc tu fais exploser un stack, tu vas te retrouver avec à peu près 45-50 lingots. Donc forcément c'est un petit peu chiant à chaque fois de perdre des ressources. Je me suis dit bah vas-y, un truc à faire, hop, un poulettos. Et le troisième c'est le poulet de rubber. Alors pourquoi? Parce que par exemple avec Ars Nouveau j'avais dit qu'on pouvait tout simplement dupliquer des ressources. Avec ça, en fait, avec l'Ars Imprintation, on peut dupliquer des ressources. Le problème, c'est que pour ça, par exemple, il faut des Iridium circuits. Et pour les Iridium circuits, il faut les Advanced circuits. Pour les Advanced circuits, il faut les Electronic circuits. Et pour ces circuits-là, il faut des câbles. Et pour ces câbles, il faut du rubber. Le rubber, on peut l'avoir via les rubber wood, les rubber trees que je vous ai montré la dernière fois. Où dessus, on pose des petits tree taps avec des petits bols en dessous, là, des petits récipients pour récupérer le rubber. Mais c'est pas infini. Au bout d'un moment, l'arbre, il a plus de rubber, il a plus de sève en fait. Donc du coup, parce que j'ai fait, j'en ai profité pour tout simplement faire le poulet. Parce que vu qu'FTB Industrial Contraption, on aura pas mal besoin pour... bah, il va me falloir des câbles pour alimenter les machines. Il va me falloir des câbles après pour sûrement faire peut-être des générateurs ou des panneaux solaires pour faire l'énergie du mode. Il va me falloir après de quoi crafter de la centrifugeuse, etc. Donc il faut alimenter en énergie et tout. Puis bah, après pour tout le reste des quêtes aussi, il va me falloir beaucoup de rubber et donc de câbles, etc. etc. Et donc de circuits aussi forcément parce que bah, c'est les circuits qui nécessitent des câbles. En plus les circuits peut-être qu'il y en aura besoin aussi pour des crafts pour d'autres machines, peut-être à gauche à droite, je sais pas trop. On voit que pour les machines custom, vous voyez que là il y a plein de custom machinerie où il y en aura besoin. Donc j'imagine que pour les multiblocs un peu plus late game, il y en aura besoin aussi. Donc voilà, c'est pas un poulet perdu. Aujourd'hui, le 4e poulet qu'on va venir se faire, c'est tout simplement le poulet de Netherite. Alors les poulets. Pour les faire c'est très simple, donc il faut en partie bah déjà un chicken shell, donc ça c'est ce qu'on a vu dans les derniers épisodes, hein, comment le faire. Donc c'est dans le truc dans la forge en fait là-dedans tout simplement de Forbidden and Arcanus, je sais pas, non j'ai pas les ressources pour vous en faire un là tout de suite. Au pire je vous montrerai plus tard exactement comment ça marche cette forge, mais c'est assez simple, hein. En gros vous avez les âmes à mettre ici, donc ça c'est pour cette barre là. Vous avez l'Oréal, alors soit vous avez des Oréal Bottles que vous trouvez un peu à gauche à droite dans les coffres ou en récompense de quête ou autre, vous mettez directement dedans, soit vous générez l'Oréal via les Arcane Crystal et Bélisque sur les côtés, c'est un peu lent mais ça marche. À savoir que c'est time, on peut les time bottle pour que ça aille plus vite. Et ensuite il faut aussi de l'expérience. L'expérience a différentes techniques pour les avoir, les bottles, soit vous passez par Create, vous les remplissez tout simplement via le spout, soit vous faites des trades avec les PNJ, avec les clérics, soit vous enchantez des bottles de miel, ça marche aussi. Par exemple au niveau 100, si vous enchantez niveau 100 une bouteille de miel, vous avez 32 bottles d'XP. Les bottles de miel, bon bah soit vous avez de quoi faire du miel chez vous, soit vous pouvez les acheter aussi à un PNJ, au fleuriste. Donc voilà, donc c'est l'une des solutions. Ça consomme quand même quasiment un stack d'XP par chicken shell, donc faut faire attention, enfin un stack de bottles d'XP. Après il y a aussi une 4e solution, vous êtes un flemmard comme moi, et vous faites un petit tank. Un petit XP de drain, singularity tank, vous mettez dessus quand vous êtes d'XP, ça remplit le tank, et vous faites un clic droit dessus avec des glass bottles, et ça vous fait vos bottles d'XP. Voilà, c'est aussi une des autres solutions encore. Donc voilà. Donc, là actuellement, moi je vais faire mon poulet de Netherite, donc il va me falloir mon chicken shell qu'on met sur un pétesol, il va me falloir 6 Netherite scrap que je vais venir mettre sur 6 pédastoles différents forcément. Je sais pas si l'endroit où on le place a une importance, parce que normalement le dernier slot ici c'est le slot où il y a l'ancien débris. Mais bon, ça c'est pas grave. Et enfin, la dernière ressource qu'il va me falloir, si on peut appeler ça une ressource, c'est des âmes de poulet. Le problème c'est que j'ai oublié comment ça s'appelle, mon truc qui stocke les âmes, à moins que je l'ai mis dans le coffre. Je l'ai mis où mon truc à âme? Ah, j'ai peut-être mis ici, tu me diras. Ouais, je l'ai mis là, ok. Donc mon soul cristal, c'est le dernier truc qu'il me faut. En fait, pour justement pouvoir faire le craft, bah par exemple là le craft de Netherite Chicken, qui est juste là, il faut, vous voyez au milieu, un chicken soul. Ça, les chicken soul, il les faut pour littéralement tous les poulets. Voilà, ça c'est, il n'y a pas le choix, on voit qu'il y a 76 pages, il les faut pour littéralement tous les poulets. Et pour avoir ces âmes en fait, il va falloir un cristal. Alors il y a différents cristaux dans Spirit, il ne faut pas le premier, il ne faut pas le deuxième. Il vous faut le troisième. Le premier en vrai je dis ça, mais le premier peut-être qu'il marche. Mais le problème du premier c'est qu'il stocke qu'une âme. Donc à chaque fois il vous faut un cristal pour une âme. Il y a 161 poulets. Je vous fais pas un dessin, c'est un peu casse-couille. Donc en fait le but c'est d'aller faire le dernier, qui est le soul cristal. Le crude il marche pas. Le crude on peut stocker des âmes, mais ce ne sera pas des âmes spécifiées à un mob en particulier. Ce sera juste des âmes tout court, des âmes random. Et nous on veut absolument des âmes de poulet. Et ensuite une fois que vous avez ce cristal là, le soul crystal, vous allez le prendre dans l'inventaire. Voilà. Il peut stocker jusqu'à 64 âmes. Après je crois qu'il est upgradable pour en stocker encore plus. Comment je sais pas, c'est sûrement écrit dans les quêtes. Mais en tout cas moi je m'en fous parce qu'en vrai 64 âmes de poulet ça me suffit amplement. Et je vais venir faire du coup spawner des poulets. Donc là j'ai un petit spawner à pouletos, tout classique hein. Donc comment j'ai eu mon œuf de poulet? C'est simplement via les swabs. En fait, si on est content-tige, on vient faire un clic droit sur un mob. Ensuite, ça capture son ADN. On vient derrière avec une graine et un bucket d'XP venir faire de la nourriture pour poulet. On le donne ensuite à manger à un poulet. Le poulet explose. Il vous donne l'œuf du moment en question. Et là, vous voyez, j'ai tué donc 3 poulets au total. Et on est passé de 21 à 32 âmes. Alors j'ai l'impression que le chiffre qu'on gagne à chaque fois il est un peu random. Il est peut-être influencé par la looting. Vu que j'ai looting 9, je crois forcément ça augmente un petit peu peut-être les âmes capturées. Mais en tout cas là en 3 poulets vous avez vu j'ai gagné 11 âmes. Donc du coup je suis tranquille. Et derrière il me reste plus qu'à faire un petit clic droit au milieu. Ça me dépose l'âme de poulet. Ensuite je viens refaire un clic droit sur le pédestal. Enfin sur l'altar du milieu plutôt parce que c'est vraiment un pédestal ça. Et ça permet tout simplement... Enfin quoi que si c'est un pédestal en vrai tu me diras. Et ça permet simplement de lancer le rituel. Alors là où il faut faire attention, c'est à bien avoir votre chicken catcher sur vous. Parce que sinon, bah, en fait, le poulet, voilà, le poulet il drop pas tel quel comme un objet, il drop vraiment comme une entité. Donc après, il faut la capturer pour la mettre tout simplement en objet. Et là, j'ai récupéré mon petit pouletos de Netherite et j'ai plus qu'à le monter en rang. Donc, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est que les poulets, en fait, ils ont des stats. Ils ont des stats de croissance, de gain et de force. La force, je sais pas trop à quoi ça correspond. La croissance c'est peut-être la vitesse à laquelle ils produisent et les gains c'est peut-être la quantité de ressources qu'ils produisent. Mais la force je vous avoue que c'est toujours un peu... Voilà, c'est les mêmes stats que ce qu'on a avec Mystical Agriculture. Mais c'est un peu space. Et donc ce que je vais faire déjà, bah, je vais essayer de choper un deuxième poulet en fait. Parce que forcément pour les reproduire ensemble et pour qu'ils puissent après gagner des stats, bah, il me faut 2 poulets de Netherite. Donc du coup le truc... Salut! Du coup le truc c'est qu'en fait j'ai fait plusieurs smart chicken, donc j'ai récupéré dans la nature 2 smart chicken. Donc c'est des poulets qu'on récupère juste en faisant un clic droit dessus avec un bouquin vanilla. Et du coup bah, je les ai montés en 10, si j'en ai fait en sorte d'en avoir 16, on peut pas mettre plus que 16 poulets par slot. Et derrière le but, ça va être de les reproduire ensemble et à chaque fois je vais avoir 50% de chance tout simplement d'avoir un poulet ou de smart ou de Netherite. Ah bah voilà, là j'ai eu mon poulet de Netherite instant. Et maintenant on va les reproduire ensemble. Et comme ça à chaque fois ils vont gagner des stats. Là on voit que le poulet il est en 2-2-2. Là je vais peut-être avoir un poulet en 3-3-2. Voilà, là je vais peut-être avoir un poulet qui va avoir 4. Voilà, 4-3-4, etc., etc. Et le but c'est de les monter jusqu'à 10-10-10, d'en choper 16, et ensuite de venir les mettre dans un roast pour qu'ils se produisent. Donc voilà, là avec la time bottle, je vous avoue que bon, tu mets en x64, voire limite 128, hein, et ça te permet de juste faire ta session entière. Là on est déjà quasiment en 10-10-10, donc autant vous dire qu'il y a de la marge quoi. Hein. Il y a de la marge, il y a de la marge. Là dans un poulet ou deux, vraiment on est en 10-10-10. Hein. La limite, voilà, on est en 10-9-9. Et là on est en 10-10, ça y est, et du coup là je peux les stacker. Et voilà. Et donc là il n'y a plus qu'à attendre à en reproduire 13. Et puis comme ça je pourrais les mettre dans le roast. Et puis voilà. Donc là vu que c'est un poulet de Netherite, alors lui c'est... Lui il ne drop pas directement le Netherite Ingot, il va dropper directement le Netherite Scrap. Le Netherite Scrap, le problème c'est qu'il n'est pas compactable ou quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais directement le mettre dans un drawer classique comme j'ai fait pour le poulet de rubber. Alors c'est vrai qu'après, le truc c'est que je me dis un compacting drawer... Même si c'est pas une ressource qui se compacte, il va peut-être stocker plus de ressources. Mais il coûte plus cher en vrai. Et au final, franchement, un drawer qui est full upgrade. Qui est full upgrade en Netherite là. C'est 32 fois la value de base. Donc c'est 32 fois 2, donc ça fait déjà 64 000. Fois à nouveau 64 000. Fois. Enfin, c'est 64 000. Après tu remultiplies 64 000 par 32. puis tu multiplies le résultat de 64 000 par 32 par un nouveau 32, et ce résultat-là, tu le remultiplies encore par 32 après. Donc en fait, c'est du 2000. Ouais, je sais pas, c'est une puissance combien, mais bref, voilà, vous avez compris, en gros. En gros, ça fait beaucoup. Et donc, du coup, bah là, j'ai juste à mettre un petit drawer. Alors, ce qui est assez pratique avec le mode des drawers maintenant, qui s'appelle plus drawer d'ailleurs, qui s'appelle functional storage, c'est qu'on a des nouvelles upgrades. On peut mettre des puller upgrades ou alors des pusher upgrades selon ce qu'on veut faire. En fait, si jamais on veut attirer les items vers le drawer ou tout simplement exporter les items du drawer vers une interface à côté. Et donc, en fait, là, en faisant une petite puller upgrade, en espérant avoir la ressource pour, voilà, suffit de dire ça pour ne plus les avoir. Donc, il va falloir que je m'en crafte un petit peu de drawer pour pouvoir faire des upgrades. Hop, on va en faire 12, ça sera très bien. Donc, en faisant cette petite puller upgrade, je vais la mettre dedans. On va mettre comme quoi on veut que ça aille depuis la face du dessus. Et en fait, dès que je mettrai mes poulets de style, enfin de netherite, je veux dire, tout simplement, ça viendra récupérer les ressources. On va en profiter pour rebooster un petit peu le coup, histoire que comme ça, j'ai directement les 16 poulets pour vous montrer. Mais voilà, c'est pratique, ça évite d'avoir des câbles. Alors, c'est pas mon setup final, hein, ça, vous inquiétez pas. Je vais faire une salle de poulets. Une grande salle de poulet. En fait, je vais faire une salle de poulet qui reproduit la forme, tout simplement, des poulets dans les quêtes, là, de comment ils sont disposés. C'est-à-dire que dans les quêtes actuellement des chickens, c'est disposé de cette façon-là. Et ma salle, elle va être comme ça. En fait, les poulets vont vraiment disposer un petit peu de cette forme-là. Et là, vous voyez, les poulets, regardez à quel point c'est débile la vitesse. Alors, le seul problème de la poulet upgrade, c'est qu'elle suit pas vraiment le rythme. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément là tout de suite une solution d'avenir. Mais le truc, c'est que là, actuellement, mon drawer, bah, vu qu'il est pas upgrade, il stocke que 2000. Et 2000 netherite scrap, si je reviens dans 2 minutes, bah c'est full. Donc en fait, même si ça vide moins vite que le poulet ne produit, c'est pas très dérangeant. Ça irait plus vite avec des câbles ou autres. Alors après, je peux aussi mettre plusieurs poulet upgrade. Si je mets une deuxième poulet upgrade, ça va doubler la vitesse en fait d'absorption. Donc voilà. Mais comme dit, enfin, je veux dire, lui il a une poulet upgrade tout seul, sans rien. Il a 73 000 lingots d'acier. Donc comme quoi, il a été posé hier. Hein, donc voilà, ça suffit amplement. Oh, bonjour vous. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui me trade? Portal Charm. Hello, the user to travel quickly through portal. Ah, ça c'est pas mal pour cette épée rapide. Alors en vrai c'est pas mal. Et en même temps j'ai envie de dire c'est peut-être de la merde. Parce que du coup si tu mets tes pieds dans un portail sans le vouloir, bah tu peux te faire douiller. Alors par contre, est-ce qu'il me reste des slots de charme? Bah ouais, pourquoi il va pas dedans? Ok. Ouais, le clic droit je pensais que ça mettait dedans. Non. Hop. Toi tu vires, voilà. Et donc après, oh, petit spawn egg de là-bas. Après, ce qu'on peut faire pour le surplus de poulet qui ne sert pas à grand chose, on peut tout simplement le cuire. Alors là, bon, là c'est un four évidemment. Je prends le seul four où il y a une upgrade de Blast Furnace donc ça marche pas. Mais voilà, on peut le cuire, on peut le recycler comme ça derrière en cook au chicken. Ça évite tout simplement, par exemple, de vouloir les mettre dans une poubelle, dans une trash can et de mislick. C'est ce qui m'est arrivé hier en fait. Hier, j'ai voulu mettre mes poulets du coup en surplus dans une poubelle. Et en fait, qu'est-ce qui est parti dans la poubelle en plus des poulets? Mon chicken catcher. Donc j'ai dû refaire une tête de poulet, j'ai dû refermer une tête de squelette, j'ai dû refaire une chicken shell, etc. Ça m'a pris une demi-heure. J'étais bien content que ça vous soit arrivé. Donc maintenant, je vous le dis, je clique plus sur les trash cans. Comme ça, il n'y a plus de problème de mislick. On est tranquille. Et vous voyez, rien que tout le temps que je vous parle là, on est tout simplement à 1100 netherite scrap. Donc grâce à ça, je pourrai faire plein de netherite ingot tranquille. Alors d'ailleurs, ça me fait rire parce que aussi le miner tout à l'heure ici, j'avais 560 copper or. Je les ai minés à la fortune. Voilà. Et j'ai 7000 raw copper. Et en plus de ces 7000 raw copper, il y avait 3000 raw copper encore en plus. Sauf que bah, ces 3000 là, je les ai mis à fond dans la fonderie Tinker. Parce que bah, au four, c'est long à force. Donc en fait, j'ai tout simplement mis un petit câble comme ça directement pour les mon tank de lave. Et ici, j'ai mis un chest en fait dans lequel je mettais mon copper qui absorbe tout pour aller à l'intérieur. Alors c'est pour ça que là dans les cuves, il reste un petit peu de copper comme ça. Parce que vu que j'ai tout fait couler, forcément, c'est un peu à l'arrache. Mais déjà, rien qu'avec ça, ça me fait la blinde de copper. Ce qui est trop bien parce qu'en fait, hein, les upgrades de drawer, il faut du copper à chaque fois. Et vu que pour le début, je mets souvent que des upgrades tier 1, bah les blocs de copper ils partent vite. Et les upgrades tier 2, c'est des trucs de gold. Alors du gold, vous voyez que j'ai plein de dust là, de gold à cuire, j'ai plein de raw gold aussi. Et même le minerai en lui-même, il m'en reste encore 300. Donc rien que ça à la fortune, je pense, avec fortune 9, ça me fait à peu près 1500 de raw facile. Ce qui fait que si je fais tout ça derrière, voilà. Sachant qu'en plus, le raw, je peux encore faire x4 là-dedans. Mais vu qu'il a un petit peu long à travailler, si je lui donne 1500 raw gold, bon, ils auront des spawns avant, donc ce sera un peu relou. Voilà. Du coup, pour continuer, donc en fait, ce qui me manquait dans le dernier épisode pour faire des poulets, c'était tout simplement les sparks. En fait, il faut 7 ressources pour faire les poulets, il faut les spinels, il faut les sparks, il faut les hip of experience, il faut les borescence, il faut aussi les phoenix down, ça c'est des loots de mobs, gros ce merdo. il faut quoi d'autre? Il faut les manipulations essence, mais ça, ça se craft. Et il faut tout simplement des chicken skins. Chicken skins, c'est des poulets en gros que tu captures dans des buckets, tu les fous dans une, dans une presse de Create, ça te fait du smash au chicken, tu le mets dans une table de boucher là-bas, là, une cutting board, et puis tu le zigouilles, et voilà, t'as ta peau de poulet, grosso merdo. Mais pour ça, il fallait des sparks aussi en plus. Et les sparks, le problème, c'est qu'en fait, t'as des pétales de Botania. Et des fleurs de Botania, pour les faire spawn, il faut des floral fertilizer. Sauf que le floral fertilizer, le souci, c'est qu'il fallait bien avancer dans Nature's Aura pour le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, il fallait le rituel de la forêt. En plus de ça, il fallait des poudres de fertilité. Et des poudres de steady growth. Sauf que pour ça, il faut des lingots du ciel, des lingots of the sky. Sauf que pour ça, il faut soit du tainted gold, soit de l'infuser iron ingot. Plus le spirit of calling. Mais pour le spirit of calling, il faut les deux, quoi qu'il arrive. Celui-là, il faut un altar dans le nether. Il faut le crimson altar. Celui-ci, il faut un altar dans l'Overworld, il faut le Natural Altar. En plus de ça, il faut des bottles. Les bottles, alors les bottles, il y a 4 tiers ou 5 tiers de bottles différentes, je crois. C'est expliqué où les avoir, tout simplement. C'est ni plus ni moins, en fait, que dans différentes dimensions. On a des bottles qui vont choper dans l'Overworld, des bottles dans la Twilight, des bottles dans l'Undergarden, et des bottles dans n'importe quelle autre dimension. Donc genre Everdown, Everbright, même le Netherworld, je pense que ça peut marcher. Le truc à faire attention quand vous prenez vos bottles dans l'endroit, c'est que ça vous consomme de l'aura. L'aura, ça va être un peu, non pas une fille, hein, non pas un prénom ou autre, mais ça va être tout simplement en fait une ressource dont on va avoir besoin pour faire des rituels, pour faire des trucs. C'est un petit peu le mana, on va dire, de Botania, mais version du coup Nature's Aura. Sauf que ça, bah, ça se trouve un peu naturellement dans les biomes. On peut le recharger, par exemple avec ces arbres-là. Ça recharge un petit peu l'aura de la zone, mais pas à l'infini. Enfin, voilà, de manière assez limitée quand même. Donc faut faire gaffe. Le truc, c'est qu'on a l'environmental eye qui permet de voir l'aura, c'est la petite barre qu'on a en haut à gauche. En gros, si ce milieu, c'est que c'est normal. Voilà, le milieu là, ça peut pas. En fait, ici, il faut savoir qu'il y a un trait. On peut pas le dépasser justement en rechargeant via les arbres ou autres. Il faudra faire d'autres trucs pour le dépasser, mais on s'en fout de le dépasser tant qu'on a au moins ce trait là, c'est déjà amplement suffisant pour les trucs. Honnêtement, au début, pour ce qu'on a à faire, ça consomme pas non plus tant d'aura que ça. Ça en bouffe un petit peu le temps de recharger la terre ici, mais ça va. Donc en fait, pour commencer ce mode, il va vous falloir tout simplement en fait, de quoi faire les brillantes fibers. Pour ça, il faut déjà aller sur la lune avant. Voilà, c'est pour ça qu'on est sur la lune la dernière fois, parce qu'il fallait du dash. Et en fait, ces fibres, vous allez les mettre dans un arbre, dans un hawk. Et globalement, ça va venir un petit peu l'infester au fur et à mesure du temps. Ça prend quand même un petit peu de temps. Ça prend 10-15 minutes à l'infester en fonction du nombre de feuilles, de fibres que vous allez mettre. Alors à savoir que vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit complet pour récupérer les premières fibres. Tant que votre feuille, les feuilles autour sont elles aussi infectées, c'est bon, vous pouvez les récupérer. Mais bon, le mieux c'est d'attendre que tout soit fait, comme ça à la fin, vous mettez un petit coup d'escavate, on n'en parle plus. Voilà. Et en fait, cette ressource-là, ça va vous donner tout simplement derrière des gold leaf, et ça, ça permet d'avoir des gold powder. C'est ce qui va nous servir en fait à faire les rituels à chaque fois. À chaque fois qu'on doit faire des rituels de la forêt, il faudra poser 16 poudres de gold ici, les gold powder comme ça, plus bah, les ressources qu'il faudra mettre sur les pédestals, et plus une sapling qu'il faudra faire pousser à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons justement que je vais faire un rituel, donc l'un des premiers rituels qu'on a voulu faire, par exemple, c'était pour avoir les tokens of joy, qui nous servaient à faire derrière différents crafts, notamment le natural altar. Il en fallait deux parce que du coup il fallait mettre un dans le nether et un ici. Et donc en fait, pour faire ce truc là, suffisait de mettre les 6 ressources sur les pédestals autour, ensuite venir mettre la poupoudre ici, et ensuite faire pousser l'arbre. Alors parfois faut faire gaffe, la plupart des crafts il faut faire pousser un hawk, voilà un arbre classique, mais il y a des crafts faire pousser par exemple des arbres de la jungle. Moi je me suis fait avoir au début, j'ai fait pousser un hawk, je me dis merde ça marche pas, en fait non c'était pas le bon arbre. Donc voilà. Alors à savoir que les blocs au sol là c'est purement décoratif, il n'y a pas besoin de mettre ces blocs là en question. Moi j'ai juste mis de la polish que de calcite et puis du black concrete. L'avantage de mettre un bloc comme ça assez visible, c'est qu'au moins ça permet de toujours bien vérifier que ce soit la bonne forme où mettre ces gold powder. Parce que bah, si tu les mets un bloc à gauche, un bloc à droite ou autre, ça va peut-être pas faire fonctionner le rituel. Là-dessus je suis pas non plus un expert mais voilà. Donc ça c'est le premier truc qu'on avait à faire. Le deuxième truc, comme dit, c'était tout simplement l'altar. Alors l'altar, lui c'est tout simple, hein. C'est juste tu viens lui donner, bah, par exemple, je vais vous montrer, tu viens lui donner littéralement juste un lingot, il te transforme. Ici, dans l'Overworld, avec le Natural Altar, il va me le transformer en Infuse et Iron Ingot. Par contre, si jamais je veux, je vais dans le Nether, avec le Crimson Altar, ce sera du Tainted Gold Ingot. Les deux structures sont assez simples à faire, de toute façon vous avez toutes les ressources qu'il vous faut dans les quêtes, que ce soit pour le Natural ou pour le Crimson. Forcément vu qu'il y en a un qui est en matériau du Nether, l'autre en matériau de l'Overworld, on va dire, c'est pas les mêmes ressources qu'il vous faut. Par ailleurs, il y a aussi le bouquin de Nature's Aura, qui vous permet de pouvoir visualiser. Alors je l'ai peut-être sur moi du coup lui, ou je l'ai peut-être plus du tout en fait, hein. Il était juste parti à la trappe hein, le bouquin, mais c'est bizarre que je l'ai pas là-dedans, ou alors je l'ai, je le vois pas, ou alors je l'ai foutu quelque part, je sais pas. Mais en gros vous avez le bouquin qui vous permet simplement de pouvoir visualiser des structures, vous avez un petit œil après, et vous pouvez tout simplement directement, en vrai je vais quand même faire un arrobase nature, parce qu'en fait j'ai tellement de merde là-dedans qu'il y a peut-être et que je le vois pas. Non je le vois pas, hein. Oh, c'était bizarre ça, comment il s'appelle? Ah ouais, donc en fait quand tu fais un arrobase nature là-haut ça marche pas. Mais par contre, ok, donc c'est tout simplement le Book of Natural Aura. Et par exemple, il suffit d'aller dans Entrain Index. Là, vous allez tout avoir. Et par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est les altars. Qui sont. Alors, le Crimson Altar, il est. Voilà. Je sais plus, ouais, forcément, vu que j'ai vachement avancé, il y a beaucoup plus de trucs dedans. Mais c'était juste. Ah, ils sont là. Le Crimson Altar et le Natural Altar. Vous voyez, ils sont à la fin. Et du coup, bah, si jamais je veux le Natural Altar, j'ai juste à cliquer sur le petit œil ici. Et si jamais je veux le Crimson Altar, je vais à la deuxième page et je clique sur le petit œil ici, ici aussi. Voilà, vous voyez que ça me permet de pouvoir visualiser, de pouvoir le poser. Et derrière, on est tranquille. Hop, on ne voit plus. Voilà, ça permet comme ça en fait de pouvoir être sûr de mettre les bons blocs au bon endroit. Parce que parfois, il peut y avoir des blocs cachés en dessous ou autre. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de bloc en dessous de ce pilier, par exemple. Il n'y a pas de bloc en dessous de l'altar. Il n'y a pas de bloc en dessous de ces blocs-là non plus. Tous les blocs sont visibles en fait. Ils ne sont pas cachés en dessous d'autres. Donc, il n'y a pas de petits pièges là-dessus. Donc, voilà un petit peu le topo. Et puis, enfin, à la fin, vous faudra cette dernière structure-là qui est l'offering table où il faut plein de fleurs. N'importe quelle fleur marche. Hein. Moi, j'ai mis dans des lions parce que j'en avais plein. Après, j'ai mis des alliums et puis des dadophiles là parce que bah, c'était un peu les fleurs qui traînaient un peu là-haut. Vous voyez, c'est un peu le type de fleurs qui traîne au niveau de ma colline. Donc voilà, après j'ai essayé de faire un petit pattern assez joli, hein. J'ai mis tous les jaunes autour parce que c'est ce que j'avais le plus. Là j'ai fait un petit truc en quinconce un petit peu. Et ça bah c'est tout simple. Alors ici il suffit juste en fait par exemple, bah, c'est pour les derniers crafts hein, qu'il nous faut ça. C'est pour pouvoir faire justement Lingot of the Sky. Il suffit d'en gros faire un clic droit avec vos lingots dedans. Et ensuite de dropper le truc rond au dessus. Qui est ça là, il suffit juste de le dropper par dessus. Et après ça va l'absorber. Au bout de 10-15 secondes vous allez avoir vos loots qui vont apparaître en fait. Vous pensez pas, il va y avoir un éclair en gros, et après pendant 10-15 secondes, il va rien avoir. Donc pensez pas que vous avez foiré votre rituel ou que vous êtes fait scam la tronche. Non, non, c'est juste qu'en fait ça prend un petit peu de temps à les générer. Et après ils vont pop un peu à gauche, à droite dans la zone du rituel ici et apparaître tout simplement. Voilà. Je sais pas s'il me reste de quoi vous montrer. Si, bah il me reste encore un Spirit of Calling. Bah, je vais vous montrer par exemple, je vais faire un petit peu de. Je vais prendre 4 lingots. On peut en mettre jusqu'à 16 à la fois. Là vous allez voir, je drop mon truc au-dessus. Ça va venir. Oh merde, con. Voilà, là ça a fait l'éclair. Ça a absorbé mes ressources. Et là, dans 3-4 secondes, ça va commencer en fait à faire pop les lingots à gauche à droite. Vous allez vraiment voir, c'est vraiment random. Là, vous voyez, il y a des lingots qu'on pop là. Il y a des lingots qu'on pop là. Donc normalement, au total, j'en ai 8 parce que j'ai mis 4 lingots et ces lingots-là, ça fait x2. Les lingots verts, c'est x1. Les lingots orange, comme ça, c'est x2. Alors que ça coûte la même ressource. Hein. Ah non, c'est du gold, ceux-là, tu me diras. Mais globalement, c'est soit un lingot d'iron, ça en fait 1, soit un lingot de gold, j'en fais 2. Moi, j'ai à peu près autant de gold que d'iron, donc du coup, je fais directement avec le gold. Le seul truc du gold, c'est que forcément, il faut être dans l'altar du Nether pour que ça puisse marcher. Donc voilà. Donc voilà un petit peu le topo. Tout le reste de Ars Nouveau, on avait déjà vu. Mais voilà un petit peu ce qu'il fallait pour pouvoir faire les poulets, tout simplement. Donc, pour récapituler, il faut les borées d'essence qu'on a dans la Twilight, à savoir qu'on peut faire un spawner à ça. Hein, c'est Silverfish qu'on trouve tout simplement dans la tour de l'Urgast. Il faut les spinels, donc ça, c'est le miner de occultisme, hein. Il vous faut en fait le minerai et que ça on peut choper via le miner d'occultisme qui est juste là, bah, oula, le gros zoom, qui est juste là. Il vous faut les sparks, donc ça on vient de voir à l'instant, c'est grâce à Nature's Aura parce qu'après une fois t'as tout fini et tout, de faire tes trucs, tu peux faire ton floral fertilizer et en vrai juste 4 floral fertilizer ça suffit amplement parce qu'en gros derrière, une fois que vous avez une pétale, on peut le dupliquer. Enfin un pétale, je prends une bonne mille, donc ça c'est un pétale, donc en théorie une fleur. Un bout de mille. Ça me fait une grande fleur. Cette grande fleur là, ça me fait 4 pétales. Donc en fait avec un pétale, j'en ai 4. Voilà. Et du coup, bah, tant que t'as de la bonne mille, t'as des pétales et du coup t'es tranquille. Le heap of expérience, moi je passe par Create. En fait, dans un bassin, avec de l'expérience liquide et des slime balls, on a des blocs. Et un bloc ça fait l'équivalent de 2,25 heap of expérience. Il en faut. En fait un bloc c'est 9 expériences et ça c'est 4 expériences. Donc voilà, donc en fait j'avais juste mis un petit truc qui me récupérait l'XP de Create, le disenchanteur là. Je me mettais dessus, l'XP j'envoyais dans le bassin. Dans le bassin je balançais les slime balls. En barre, ça me faisait mes trucs et franchement j'ai largement ce qu'il faut pour tous les poulets parce qu'il m'en reste encore dans mon stockage. Ensuite les chicken skin, on a vu comment il faut les faire. Et puis derrière, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les manipulations essence, mais ça bah, c'est ni plus ni moins que les ressources qu'on met dans le truc de Ars Nouveau. Et voilà, point barre, c'est tout ce qu'il faut pour les poulets. Derrière, bon bah il faut le petit hammer qui est juste ici, c'est l'un des. Il y a différents hammers, hein, mais enfin c'est même pas un hammer, c'est un blacksmith gavel. Voilà, ça c'est pour lancer le rituel. Et puis après, bon bah il vous faut les âmes, on a déjà vu aussi comment les faire, il vous faut l'expérience, il vous faut tout ça, et puis globalement vous faites votre rituel ici. Et après une fois que vous avez votre chicken shell, et bien vous mettez les ressources du poulet en question que vous voulez faire, vous pour récupérer son âme, vous la mettez dedans, vous lancez le rituel, point barre, vous avez votre pouletos. Voilà comment on a les poulets sur Ragnamod 7. C'est. J'ai envie de dire assez simple, faut toucher un petit peu à tout au début en fin de compte parce qu'il faut les faire un petit peu de différents trucs à gauche à droite, faut aller sur la lune, faut faire Nature's Aura, faut faire Ars Nouveau, faut faire occultisme, faut faire machin, voilà, faut toucher un petit peu à tout. mais sans devoir trop rentrer dedans non plus. Il n'y a que Nature's Aura où il faut aller un peu plus deep dans les modes comparés aux autres, mais honnêtement ça se fait très bien. Puis forcément après il faut aussi le chicken catcher pour, attraper le poulet, mais voilà, sinon ça se fait très bien, c'est très bien expliqué dans les quêtes, dès qu'il y a un truc à faire en question qui peut être un peu spécial ou un peu tordu, ça vous dit comment ça marche. Donc voilà, donc honnêtement ça se fait très bien. Et puis voilà. Bon, en vrai je pense qu'on va se laisser là-dessus quand même pour cet épisode là, PneumaticCraft, comme ça je rentrerai plus en détail la prochaine fois dedans. Le prochain épisode sera vraiment du coup un petit peu voir comment je produis mon énergie, les premières machines qu'on fait, et puis PneumaticCraft, et puis sûrement un petit peu d'industrial contraption aussi. Voilà. Voilà un petit peu le topo, puis il y aura sûrement le poulet de plastoc d'ici là, poulet de plastique, donc ça là-dessus sera cool, parce que ça va me permettre de débloquer quand même pas mal de choses, d'avoir plein de plastique. Notamment de pouvoir dupliquer après aussi grâce au silicone. Tu me dirais le silicone? Non, je l'ai pas encore aussi. Mais grâce au silicone, on pourra dupliquer les ressources d'Ars Nouveau et du coup avoir de la manipulation à essence autant qu'on en souhaite, hein, tout simplement pour les poulets. Donc voilà. Donc sur ce, écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode, en tout cas c'était bien cool. On se retrouve. Putain, je suis perdu où j'en suis dans les épisodes, mais j'ai un petit peu d'avance. On se retrouve dimanche, je crois, à 18h30 pour la suite de l'aventure sur Ragnamod 7 in the Sky. Pas in the Sky, Ragnamod 7 tout court. On va y arriver. Portez-vous bien, tchou tchou.